Coucou. Bon, ben nous sommes toujours jeudi. Ouais, jeudi 9. Là, je veux vous faire. C'est pas mon habitude de vous faire cette vidéo-là, mais comment? Je viens de recevoir deux petits colis là de Amazon encore que j'ai fait une commande, mais c'est pour mes cheveux. Parce que je sais pas si vous en apercevez, mais j'ai plus beaucoup de cheveux. Alors, je me pose la question si. Ben, c'est la coiffeuse qui me l'a dit. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez perdu beaucoup de cheveux. Ben, je dis, oui, je m'en rends compte. C'est vrai que j'ai plus grand-chose. Moi qui avais une tignasse avant, mais une tignasse, je ne vous dis pas. J'étais plus jeune aussi. Mais là, depuis un moment, et alors, la nuit, j'ai des démangeaisons, mais des démangeaisons à la tête. C'est une horreur. J'ai l'impression d'avoir plein de petits boutons. Donc j'ai été voir sur Amazon, donc j'ai reçu un premier paquet et un deuxième parce que j'ai commandé des choses pour mes cheveux. Bon, j'avais pas trop envie d'en parler. Bon, c'est pas pour ça que je ne montrais pas ma tête, hein. Mais je me suis commandé du shampoing. Alors du shampoing bien sûr pour les cheveux blancs, mais que je ne vais pas me servir tout le temps parce qu'il faut quand même aussi alterner avec un autre shampoing, hein, pour pas mettre que toujours les cheveux blancs. Mais je m'en suis commandé un lot parce qu'il y avait un lot de trois. Alors je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Ça c'est ralentit la chute des cheveux, stimule le cuir chevelu. Bon, je vais vous montrer ça. Ça, c'est pas. J'ai pas envie de perdre mes cheveux quand même. Hein. Je vais quand même pas mettre une perruque. Hein. Et je vous rassure, c'est pas pour ça que je me montrais pas. Hein. C'est parce que j'avais pas envie. Mais c'est la coiffeuse qui m'a ouvert les yeux. La coiffeuse, elle m'a ouvert les yeux mardi. Elle me dit, mais elle me dit, vous avez un problème. Elle me dit, vous aviez plus de cheveux que ça. Ben, elle m'en a presque pas coupé. Hein. D'ailleurs, ça se voit, elle n'a presque pas de coupé. Et donc, ça commence à me faire peur. Donc, j'ai été voir pour les démangeaisons et pour la repousse des cheveux. Et en même temps, j'ai commandé pour. Comment? Du shampoing pour me laver la tête, les cheveux blancs, quoi. Donc, on va voir ça ensemble. C'est quoi ça? Shampoing extra doux aux plantes. Alors, on va commencer par le shampoing que je me sers toujours. Enfin, que je me sers toujours. Quand, toujours entre deux lavages. Je prends un autre, hein, j'en prends un autre, je prends de l'Elseve pour cheveux normaux. Hein, mais là, bon, j'ai dit, comme je fais une commande de shampoing, je vais faire une commande pour tout, quoi, parce que pour la repousse, et parce que ça commence à me faire peur, quoi. Alors, est-ce que c'est encore les antibiotiques qui m'ont fait ça? Vous allez dire, elle nous fait ça avec ces antibiotiques, elle nous parle de ces antibiotiques, ben oui, mais. Alors, attendez, parce que là, ça va se déchirer, ça. Ah, ben, dis donc. On va y arriver, hein. Bon, après, je vais me couper la gorge, hein. Et hop. Allez, meurtre en direct. Voyons, c'est bien emballé, hein. Je vais leur montrer, hein, puisque j'ai l'habitude de tout vous montrer. Pourquoi je ne montrerai pas? Ouais, voilà, j'ai pris du normal, hein, enfin du normal pour les cheveux blancs. Donc, ne me demandez pas les prix, je ne les ai pas en tête là. Donc là, j'avais un lot de 3, je crois que c'était 10 euros à peu près. Les 3 comme ça, elles servent. C'est pour les shampoings violets, des jaunisseurs. C'est pour les cheveux méchés, blancs ou blancs. Donc moi, vous voyez, mes cheveux sont blancs. Mais de toute façon, je prends toujours du shampoing comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire un lavage. Enfin, là, je ne vais pas me le refaire parce que je l'ai fait avant-hier. Mais demain matin, je vais me faire un lavage. Et, ou même peut-être ce soir avant d'aller au lit. Qu'est-ce que j'entends? C'est quelqu'un qui est en train de tondre. Oh, je vois rien. Écoutez. Shampoing extra doux aux plantes, chamomille, rosemary,
Alors, Vitality, alors c'est à la camomille, au romarin et à l'ortie. J'ai pris ça. Alors, en français, pour un résultat optimal, laissez agir 2-3 minutes sur vos cheveux avant de rincer pour que les plantes produisent leurs effets bénéfiques. Ce shampoing plusieurs fois primé, il a été plusieurs fois primé, rend généralement inutile l'usage d'un conditionneur. Évitez tout contact avec les yeux, bah ça, et conservez hors de la chaleur. Ingrédients. Ingrédients. Alors là, coco glucoside, coco nucifera, sodium, aloe barbade, je ne sais pas quoi, chamomilla. Glycérine. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça sent. On va voir. Je vais me faire un shampoing. Peut-être ce soir. Oh non, pas ce soir. Je vais pas me dormir avec les cheveux mouillés. C'est pas tellement mon truc. Prendre ça. Alors, je vais faire. Ce que je vais voir là. Pour la repousse des cheveux, combien de fois il faut le faire. Tous les combien. Parce que comme ça, je pourrais alterner un comme ça et l'autre. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est une notion, c'est pas un shampoing l'autre. Alors attendez. Oui, mais comment ça s'ouvre ce truc-là encore? Alors l'ouverture, qu'est-ce que c'est chiant. J'arrive jamais moi, à ouvrir ces trucs-là. Oh, attendez, je vais le dévisser. Ça n'a pas trop d'odeur, hein. Non. Oh, parce que ça me démange. Hein, c'est. Pourtant, je croyais que c'était marqué pour les démangeaisons. Bon. Et alors, j'ai celui-là. Lotion capillaire tonifiante ralentit la chute des cheveux, stimule le cuir chevelu. Vitalité du cuir chevelu au romarin. Alors, ça se présente comme ça. Stimule le cuir chevelu, apporte les nutriments nécessaires pour fortifier les cheveux, ralentit la chute des cheveux. Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique. Conseil d'utilisation, appliquer sur le cuir chevelu matin et soir, ne pas rincer. Ah ben ça, je vais peut-être pouvoir me le faire ce soir, ça. Et puis demain matin, je me laverai la tête. Je vais me masser la tête avec ça. Alors, je ne sais pas combien de il faut en mettre. Fortifie les cheveux et ralentit leur chute. À base de romarin, cette lotion tonifiante stimule le cuir chevelu, apporte les nutriments nécessaires pour fortifier les cheveux. Ben oui, c'était ce qui était écrit là. Ralentit la chute des cheveux. Alors, oui, mais ils disent pas combien il faut en mettre. Ça se met comment? Je pense qu'il faut en mettre quelques gouttes et puis se masser la tête, je pense. Alors c'est pareil, je vais sentir, parce que si ça pue toute la nuit, ah, ça va être encore le pied pour ouvrir ça. Voilà, ça y est. Il y a des fois des bouteilles qui sont dures à ouvrir. Ah, ça sent bon. Ah oui, ça sent le romarin là. Comment c'est? Ouais, je vais regarder. C'est gras. Non, c'est pas gras. Ah, mais ça sent bon. Ah, ça sent le midi. Le romarin. Oh là. Oui. Ben, je vais me faire une friction ce soir. Alors, ils disent matin et soir. Ce que je vais faire. Mais pas tous les jours quand même. Il ne marque pas si c'est tous les jours ou pas. Il n'y a pas de. Ah.
ce que je vais faire. Alors, composition, eau, alcool, extrait de feuilles de réfort et poivre des murailles, carbonate de potassium, parfum, issu d'huile essentielle naturelle, d'extrait de plantes dont le romarin. C'est un ingrédient bio. C'est bio. Donc, il marque pas. Moi, ce que je vais faire, je vais me mettre quelques gouttes partout où ça me démange. Je vais bien me masser la tête. Je vais me mettre une serviette sur la tête. Et je vais. Enfin, je vais m'envelopper la tête, quoi. Et je vais laisser agir toute la nuit. Il marque matin et soir. Mais je préfère le matin parce que. Ou alors j'en fais un truc demain matin en prenant mon petit déjeuner. Et après, je vais prendre ma douche et je me relave la tête avec ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Donc, je suis contente parce que ça, cela, je ne devais pas les recevoir tout de suite. Et puis, j'ai tout reçu en même temps. Donc, c'est pas plus mal. Là, j'ai vu qu'il y avait un lot de 3. Je sais que c'était 10 euros, ça. Ça, c'était, enfin, 10 euros les 3, hein, pas 1. Donc, ça fait 3,30 € le flacon. Hein, c'est le prix d'un shampoing. Ça, c'était un peu plus cher. Ça devait être dans les 9-10 euros, tout seul. Et celui-là, je crois qu'il était dans les 13 euros. Mais j'ai dit, tant pis, je... Ouais, je vais faire ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous ai montré ce que j'avais... Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous me voyez souvent, je fais ça. J'ai pas de poux, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas des poux. Je suis pas à l'école. C'est vrai que quand les mômes, oh là, quand les mômes vont à l'école, ils reviennent tout le temps, c'est des têtes à poux. Oui, il y en a, c'est vraiment des têtes à poux. Hein. Voilà. Ben, Corinne, on en a jamais eu, elle n'en a jamais attrapé à l'école. Enfin, je n'ai pas de souvenir qu'elle a attrapé des poux. Non, elle n'a pas attrapé de poux. Mais enfin bon, il y en a, c'est des têtes à poux. Hein. Mais ce n'est pas des poux que j'ai, c'est des démangeaisons. Et je pense. Alors, moi, moi, Mamicole, je pense que c'est tous les ennuis que j'ai eus depuis 6 mois. Je pense que c'est ça, tous les antibiotiques et tout ça qui m'ont détraqué. Donc, ben voilà, je suis détraquée de partout, je suis détraquée. Vous voyez, ça me, ouais, rien que d'y penser, je vais vous faire tous gratter la tête là. Allez, hop, on se gratte la tête. Mais c'est vrai, quand on voit quelqu'un se gratter la tête, ben, on fait pareil, hein. Mais c'est pas parce que j'ai la tête sale, hein, du tout, parce que faites-moi confiance que la tête, elle est lavée plusieurs fois. En plus, oui, parce que je me la suis lavée lundi, je me la suis lavée mardi. Je fais à peu près tous les 2-3 jours. Je sais, c'est pas bon, faut pas le faire tous les jours, faut pas se laver la tête tous les jours, je sais. Mais quand vous êtes sous la douche, c'est assez facile. Donc, moi, c'était surtout un petit traitement, et surtout pour essayer de refaire... ralentit la chute des cheveux. Ouais, ça ralentit, mais ça fait pas la repousse. Peut-être que ça, je vais voir. On verra. Je vais me faire ça. Je vais me faire un massage ce soir. Et puis voilà. Bon, déjà, c'est pas gras. Vous voyez, je m'en suis mis sur la main. C'est pas gras. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous mettre cette petite vidéo dans la foulée là. Comme ça, vous serez au courant de ce que je fais. Et puis voilà. Donc, bah, je vous fais un gros bisou. Puis moi, je vais continuer là ce que j'étais en train de faire. Je faisais pas grand-chose parce que j'ai fait une sieste avant. J'ai mangé et puis j'ai fait une petite sieste. Donc, encore des cartons. Oh, les cartons. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.